Salut tout le monde, c'est Van Drak et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur donc Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Depuis le temps que je voulais faire ce genre de capture, je me dis c'est pas trop tôt. Bon, ça fait plaisir de pouvoir enfin faire ceci. Ça fait vraiment un sacré bout de temps que j'ai envie de le proposer. Donc c'est vraiment top de pouvoir vous le faire enfin. Ça aura pris le temps pour que ça vienne. Mais c'est là, ça y est. Voilà. Je peux enfin faire de la capture sur Nintendo 3DS. J'ai besoin de toi, mon garçon, c'est important. Les fantômes sont devenus agressifs. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Bah, oublions ça. J'ai préparé le télécutilisateur. Non. Attention au départ. Non. Et c'est parti. Salutations Luigi, j'étais sûr que nos chemins allaient finir par se croiser à nouveau. Dis donc mon garçon, tu fais une drôle de tête, serais-tu inquiet? Sache que tu es en sécurité ici, rien ne peut nous arriver dans la salle de contrôle. Bref, laisse-moi te dire que je suis ravi de te revoir mon garçon. Qu'est-ce que tu deviens? Tu accompagnes toujours ton frère dans ses aventures totalement rocambolesques? Moi? Oh, moi je fais mon petit bonhomme de chemin, tranquillement. Je consacre du temps à mes recherches sur les phénomènes paranormaux et tout ça. Depuis notre dernière aventure, je suis devenu une sorte de sommité dans ce domaine. Mais je m'égare. Nous n'avons pas le temps pour ces futilités. L'heure est grave. Regarde l'écran.
Ce que tu vois là, c'est la lune noire. On ne sait pas grand chose à son sujet. Il semble qu'elle ait un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai décidé de venir étudier ce phénomène si fascinant. C'était réellement passionnant. J'ai fait tout un tas de découvertes fantastiquement faramineuses. Enfin, jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifisme n'était plus à la mode. C'était effarant. Tout se passait bien et soudain, paf, ils sont devenus très agressifs. J'ai même été forcé de m'enfuir du manoir du désespoir pour venir me mettre à l'abri ici. Dès que je suis arrivé ici, je me suis mis au travail. Il fallait que je découvre ce qui avait provoqué ce changement brutal chez les fantômes. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui s'était passé. Il m'a suffi de lever les yeux au ciel. Imagine ma surprise quand j'ai constaté que la lune noire avait tout simplement disparu. J'ai également remarqué un autre phénomène étrange. Un brouillard mystérieux s'était levé, enveloppant l'ensemble de la vallée des ombres. D'après mes recherches, c'est la disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Si nous ne faisons rien, les fantômes risquent de quitter la vallée des ombres. Et qui sait ce qui pourrait se passer s'ils envahissent le reste du monde? Et plus grave encore, comment vais-je continuer mes recherches si mon sujet d'étude disparaît? Luigi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Et figure-toi que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi un instant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. Cela signifie qu'elle a été brisée, mon garçon. Tu te rends compte? Et comme si cela ne suffisait pas, une étrange énergie émane du fragment. Une énergie manifestement négative que j'ai décidé d'appeler Néphastrose. La Néphastrose semble neutraliser l'aura positive de la lune noire, qui rend les fantômes amicaux. Cependant, j'ai développé une invention qui devrait s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux! Oh, regarde Luigi, ça a marché. Le fragment a retrouvé son aura d'origine. Et tu as entendu ce drôle de bruit dehors? Laisse-moi consulter mes instruments. Non, Nadlobule, le brouillard qui entourait la salle de contrôle, il a disparu. Jetons un œil à la carte de la vallée des ombres. Quelle chance! On dirait que le manoir du désespoir est à nouveau accessible. Et l'expérience a été concluante à plus d'un titre. On est maintenant certain que redonner son intégrité à la lune noire résoudra nos problèmes. Si on continue comme ça, la vallée ne sera plus noyée dans le brouillard. Et les fantômes reprendront leurs esprits grâce à l'aura positive de la lune noire. Malheureusement, d'ici là, ces fantômes sont trop dangereux pour qu'on les laisse en liberté. Et c'est là que tu interviens, mon cher Luigi. Je suis bien placé pour savoir que tu as une certaine expérience de la chasse aux fantômes. Et même si tu n'es pas le plus grand des héros, j'espérais pouvoir compter sur ton aide. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Ah, je savais que tu dirais oui. C'est reparti comme au bon vieux temps. Let Blast 5000. N'aie pas peur, mon garçon. Nous n'avons affaire qu'à une poignée de fantômes inoffensifs. Enfin, quand je dis une poignée, ils sont peut-être quelques centaines. Et ils ne sont sans doute pas tout à fait inoffensifs non plus. Enfin bref, nous sommes parfaitement en mesure de régler cette situation. Entre mon génie et tes... Je suis confus, je ne vois pas du tout comment finir cette phrase sans être blessant. Bah, oublions toute cette histoire et concentrons-nous sur l'essentiel.
Nous devons retrouver les fragments de la lune noire et lui rendre son intégrité. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'un bon équipement de chasseur de fantômes, mon garçon. Ce qu'il te faut, c'est mon tout nouveau bijou, l'Ectoblast 5000. Malheureusement, il se trouve en ce moment quelque part dans le manoir du désespoir. Maintenant que ce brouillard de malheur a été dissipé, tu vas pouvoir aller le chercher. Tu as déjà vu cet objet? Cette déesse mise au point par ton génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir du désespoir. En outre, le dispositif de visioconférence intégré nous permettra de rester en contact. Tant que j'y suis, prends aussi cette lampe torche. Il fait plutôt sombre dans ce manoir. Okidoki. Bien mon garçon, avant tout vérifions que la déesse fonctionne. Regarde la carte, je vais y indiquer un endroit important. L'endroit que j'ai indiqué n'est autre que le garage. C'est là que tu devrais trouver les Ectoblast 5000. Tu es prêt mon garçon? Je me charge de t'envoyer sur place en deux temps, trois mouvements. Eh oui, tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télépixelisateur. Je ne m'en suis servi qu'une seule fois, mais ce premier test a été particulièrement concluant. Tu es arrivé ici entier, alors il n'y a pas de raison que le prochain voyage se passe mal, pas vrai? J'ai hâte de voir le résultat. Tu es prêt pour le grand départ? Bah oui. C'est vrai. Après tout, on est revenu en un seul morceau. C'est reparti pour la chasse aux fantômes en compagnie de notre cher Luigi. Qui est toujours aussi rassuré visiblement par le fait d'aller explorer le manoir. Vous l'aurez sans doute remarqué. Voilà. Il va pas arrêter de nous appeler, c'est vrai, je m'en souviens. Hello. Luigi? Allô? Luigi? Tu m'entends mon garçon? Ah, enfin! J'ai eu peur que la batterie de la DS soit top là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai baissé la luminosité des écrans. C'est bon. Tu devrais être tranquille pour un moment. Tu as l'air assez nerveux mon garçon. Essaie de te détendre un petit peu. Mais n'oublie pas qu'on a une mission à accomplir. Et souviens-toi, tu peux courir en maintenant B lorsque tu te déplaces. Allez, au travail. Bien. Alors, pour l'instant, on ne peut pas faire bien grand-chose. À part récupérer des pièces pour l'instant. C'est à peu près tout. Les possibilités que nous avons. On va pas tarder à obtenir notre fameux aspirateur magique. Ah, c'est Squeak à la clé. Derrière. Allez, reviens là, petite souris. Donne-nous la clé, s'il te plaît. On veut juste la clé. On veut pas te faire de mal.
Allez, allez, donne-nous la clé. Et si tu vas en faire d'une clé, de toute façon, c'est pas possible. Ça va pour l'instant, c'est assez accueillant. Mauvaise idée. Oh. Yellow. Ah, tu l'as trouvé. Beau travail, Luigi. J'ai l'honneur de te présenter ma toute dernière invention, l'Ectoblast 5000. Tu verras, il est très simple d'utilisation. En effet, il suffit d'appuyer sur R pour aspirer. Avant de partir en chasse, pourquoi ne pas l'essayer un peu dans cette pièce? Vas-y, essaye un peu d'aspirer ces détritus. Ciao. Alors Luigi, que penses-tu de l'Ectoblast 5000? Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Avec ça, les fantômes ne pourront pas te résister. Essaie donc de capturer ceux qui se cachent par ici. Oh, y a plein de pognon. Y'a même des lingots. Y'a même des lingots. Faut pas en perdre une seule pièce. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Allez, non, mais celle-là, il en reste une, voilà. Ah. Y'a notre ami Toutou derrière. Derrière la fenêtre, à droite. Oh non, pour les araignées. Pour les araignées, s'il vous plaît. Les fantômes, y a pas de problème, pas les araignées. Hop, alors des petites pièces. On ne pouvait pas ouvrir la porte à droite. Huh.
Attends, j'ai vu un truc à droite. Ah bah ouais, 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 tu m'étonnes. Ah bah heureusement que j'ai vu. Ah là, c'était pour un petit peu. Hein. Ouais. Je dirais que tu as trouvé quelque chose de très spécial, mon garçon. On pourrait même dire que tu es tombé sur un os. tu en trouveras parfois en cherchant du butin pendant tes missions. Bref, je pense que cet os te sera utile dans les moments les plus critiques. Évidemment, ce n'est qu'une pure hypothèse, une simple théorie. Alors ne va pas t'imaginer que tu pourras y avoir recours au moindre pépin, d'accord ? Ciao. D'accord. T'inquiète. Non, mais ça sert à rien. Non, attends, il nous appelle. Oh. Hello. Luigi, tu vois ce récepteur photosensible, le petit rond vert sur le mur? C'est le mécanisme qui permet de déverrouiller la porte. Il te suffit d'utiliser le spectre... Non, on a de l'obule. L'Ectoblast 5000 n'est pas équipé du spectroflash. Tu ne pourras pas ouvrir la porte sans cet accessoire. Les fantômes ont dû le cacher quelque part pour me jouer un mauvais tour. Bon, écoute, le spectroflash ressemble à une petite ampoule verte. Je compte sur toi pour le retrouver dans les plus brefs délais. Évidemment qu'on va le retrouver, t'inquiète. On va le chercher. Attends. J'ai pu voir quelque chose ici. Non, c'est juste le papier. C'est juste le papier peint. Et zut, c'est remonté. Je sais pas. J'ai cru que ça restait dans le banc. Et on se dépêche. Hop. Allez, Luigi. Oh. Non. Faut appuyer sur un bouton. Faut pas l'aspirer. Ah bah zut. Allez, on y retourne. Jamais 203 comme on dit. Mais c'est la bonne, je le sens. Allez. Bouge. Faut peut-être se mettre à côté puis appuyer sur X. Ouais. Tout à fait. Yeah. Ho ho. Yeah. Ho. Ha ha. Oh yeah. Oh.
Oui. Oui. Évidemment. Oh là, doucement mon garçon, ne fais pas n'importe quoi. Le Spectre Flash n'est pas un jouet, c'est une merveille de technologie. Il peut notamment activer les systèmes munis d'un récepteur photosensible. À tes yeux, non initié, ces récepteurs ressemblent à des petits ronds verts. Au fait, pour utiliser le Spectre Flash, il te suffit de viser et d'appuyer sur A. C'est simple comme bonjour. Tu devrais essayer sous la porte. Ouais, mais attends, je voulais déjà essayer. J'ai vu qu'il y a le même système en haut, et j'ai vu qu'il y avait une autre porte avant. Donc on va déjà essayer. Hop. Nickel. Et j'ai vu qu'il y avait une autre porte qui avait ça avant. Donc je voudrais déjà aller voir d'autres portes. C'était là. Voilà, ici. Oh. Yellow. Mais attends, mon garçon, ce n'est pas fini. Tu peux aussi utiliser le Spectre Flash pour éblouir les fantômes. Ce n'est qu'une fois ébloui que tu auras une chance de les capturer. Allez, maintenant, tu ferais bien de te mettre au travail. Ouais. Allez, bon. Ah, l'arrière-cour. Il y avait le toutou dehors tout à l'heure. Ah, c'est vrai qu'il passe son temps à nous appeler au début du jeu, c'est infernal. Alors comme ça tu apprécies aussi la chasse aux gemmes, mon garçon. Je comprends. Collectionner ces gemmes si uniques et si précieuses, c'est un passe-temps qui procure un plaisir sans égal. Mais n'oublie pas que tu as une mission très importante à accomplir. Tu auras tout le temps d'admirer tes gemmes plus tard dans la chambre forte. Tout à fait. Tout à fait, il n'y avait que ça. En fait, on peut pas voir le toutou. On ne peut pas voir le toutou. Bon. Allez, on continue. On retourne sur le droit chemin. Dans la bonne direction. Ils ont tous des billets dans leur manteau. J'aimerais bien pouvoir en dire autant. Pareil, si j'avais des lingots d'or sous le plancher de ma salle de bain, ce serait top. Bonjour. Ah, c'est pas le moment de prendre une douche. Ah là 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 là, ça les fantômes. Aucun respect, franchement. Thank you.
mais non, 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 mes billets, mes billets, mes billets, mes billets. Voilà. Hop. Et deux. Boum, et le 2. Alors, ah bah, c'est le bal des fantômes. Oh, deux d'un coup. Deux d'un coup, ça donne plus de pognon, c'est bien. Bien joué, Luigi. Mais tu es tout pâle, on dirait que tu as vu un revenant. Tu sais, cela me rappelle des souvenirs, crois-toi. En tout cas, tu as fait du bon travail ici. Je te ramène à la salle de contrôle. Ciao. Oh yes. Oh, oh. I did it. Wow. Oh, oh. 11 minutes, 6 fantômes, 0 d'énergie perdue. Et 846, grade 2 étoiles, c'est tout. C'est tout. Tu es de retour, et on dirait qu'il ne te manque aucun pixel. Excellent, excellent. Tu as bien travaillé, mon garçon. Continue comme ça, et nous allons vite résoudre cette crise. Bien, voyons voir ce que tu as aspiré avec l'Ectoblast 5000. Gemme, nouveau fantôme, 4W, un bon gros putain de 846. Fantastique! Je vais tout de suite commencer à étudier ces magnifiques spécimens. Ah, tu te demandes où mène ce tuyau? Tous les spécimens que tu ramènes sont envoyés dans la chambre forte de haute sécurité, au sous-sol. J'y consigne d'ailleurs toutes sortes de notes paranormales, telles que la masse spectrale des fantômes. Si j'inscris 10W par exemple, c'est que le fantôme a une masse spectrale de 10 houhou. Bah oui, on ne peut quand même pas mesurer la masse des spectres en grammes, soyons sérieux. Bref, n'oublie pas. Comme dit ma grand-mère, le savoir, c'est le pouvoir. Bien, je vais analyser le manoir du désespoir pour tenter de capter des signaux paranormaux. Si un fantôme a volé les fragments de la lune noire, il y a des chances pour qu'il se cache à l'intérieur. Bien, 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 sur ce... Voilà pour ce premier épisode de Luigi's Mansion 2. Ou aux États-Unis appelé Luigi's Mansion Dark Moon, comme affiché en bas de l'écran. Je pense, suivant la durée que dure chaque mission à A1 par exemple, on a mis 11 minutes, mais avec tous les cinématiques du début, l'explication de la fin, tous les appels qui nous passent, la vidéo dure bien une bonne demi-heure, peut-être même un peu plus. Donc on verra bien si le A2 et tout ce qui englobe le A2, ça fait une demi-heure, ou si ça fait vraiment beaucoup moins, on enchaînera avec le A3 qui t'a dépassé la demi-heure.
On verra bien comment on procède si on fait une petite mission par vidéo. Je verrai. Je verrai suivant mes envies aussi. Bien, sur ce, j'espère que ces nouvelles possibilités de capture. J'espère que le boulot que je fais avec ça est correct, que ça vous plaira et que les jeux que j'ai prévu de vous faire sur 3DS et même sur DS vous conviendront et vous attireront. Moi en tout cas, ça me fait plaisir de revenir sur Luigi's Mansion parce que franchement, j'avais dit après l'épisode GameCube, quand j'avais fait les vidéos, que je voulais faire celui-ci, mais j'en avais pas encore la capacité, et là je viens de recevoir ma capture, ma 3DS avec l'appareil de capture, ma New 3DS XL, devrais-je dire, mais du coup, bah voilà, Bravely Default, Bravely Second, au mois de mai, Fire Emblem par exemple, je vais peut-être faire une ou deux petites vidéos dessus, histoire de vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas encore, nous verrons bien. Suivant mon humeur, suivant le temps que j'ai aussi. Et tout, voilà, sur ce, je vous dis ciao. Et à bientôt pour la suite de nos aventures avec notre Luigi favori. Notre cher Luigi. Allez, bisous bisous et à bientôt. Salut.